The Carter Center has been working in the field of health and peace in Africa for more than 30 years. In Mali, in conjunction with the Department of Health and Social Development, the Carter Center implemented the Peace Through Health project in central Mali. After the pilot phase of the project, an exchange workshop with the communities is being held from 9 to 10 August 2023 at the Dumande Hotel in Bamako. C'est un projet vraiment inédit parce que d'habitude les projets viennent avec des activités, mais ce projet, comme vous le savez, c'est vous qui avez identifié ces activités et le projet finance selon vos priorités. Donc nous sommes très fiers de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, toute œuvre humaine, donc, elle n'est pas parfaite. Donc cet atelier, c'est effectivement l'occasion d'échanger, et de voir qu'est-ce qui a été très fort dedans, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Several participants from the localities of Tenenku, Yuwaru, Masina and Soumian take part in this workshop. This community-based approach focuses on organizing dialogues around health issues within insecure communities. La paix étant une priorité absolue pour le Royaume de Belgique, en contribuant à la prévention, à la médiation et à la résolution des conflits, le Royaume de Belgique contribue à la construction de situations de paix durable. Nous soutenons les initiatives qui traitent notamment les causes d'instabilité et cherche à remédier aux conséquences de conflits. Nous soutenons également les efforts destinés à éviter de possibles retours à une situation de crise. Through its activities, the project promotes access to health services, improved intergenerational dialogue, trust between social groups. Le département, quand même, est vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour pouvoir vraiment reconnaître et saluer les efforts que vous avez menés dans le cadre vraiment des activités de ce projet Paix et Santé qui a permis vraiment au programme national d'éradication du ver de Guinée et au programme national des soins au clair d'avoir quand même, de pouvoir accéder à certaines localités et de pouvoir mener vraiment certaines activités allant dans le sens vraiment des objectifs, dans l'atteinte des objectifs assignés à ces programmes. These 2 days of discussion and experience sharing will facilitate the implementation of Peace Through Health initiative. À travers ce projet, nous avons pu circuler dans les 20 aires de santé du secteur de Tenenku qui sont fonctionnelles. Ça, c'est grâce à différentes sensibilisations que le projet a apporté envers nous et de distribution des paquets de santé. Following the successful completion of the first phase of the project focused on the locality of Tenenku, at the request of Malian government and communities, 3 other, Yuwaru, Masina and Soumian districts, were added to the project intervention area in its phase 2.